Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire partager les cookies aux M&M's. Alors pour réaliser cette recette, il nous faudra une plaque à l'enfour avec une feuille sulfurisée, un paquet de M&M's, 150 g de beurre fondu, 100 g de sucre de canne, un sachet de sucre vanillé, une bonne pincée de sel, un demi-sachet de levure chimique, un œuf, et enfin 250 g de farine. C'est parti, on va commencer la recette. Donc avant de commencer la recette, j'ai écrasé les M&M's avec un rouleau à pâtisserie. Le paquet fermé. On va venir préchauffer le four à 180 degrés. On commence par verser le beurre fondu. Ensuite, le sucre. Le sucre vanillé. La pincée de sel, la bonne pincée de sel d'ailleurs, la levure chimique, l'œuf, et on mélange. Ensuite, la farine. J'ai fini de mettre la farine, donc ne vous inquiétez pas, la pâte elle est très dure, c'est normal. Donc je vais ajouter mes M&M's. Alors il y a des entières, mais c'est pas grave. Hein. Il y a des cassés, des entières. Les cassés sont plus dans le fond du paquet. Voilà, donc j'ai pas tout mis parce que l'idéal c'est un 200 g et le mien c'est un 300 g. Donc je remue bien. Et encore une fois, la pâte elle est dure, c'est tout à fait normal. Donc j'en ai recassé un petit peu à la main parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas, j'avais pas bien écrasé, c'est tellement dur. Donc voilà, là c'est fini. Donc je vais venir prendre ma pâte et je vais les disposer comme ça. Hop, je malaxe bien, enfin bien oui, comme ça, hop. Ça va être des gros cookies là. Après on peut faire de la taille qu'on veut, des petits, des moyens, des gros. Comme on le souhaite. Mes cookies sont terminés. Je vais pouvoir les enfourner 10 à 15 minutes selon le four. Donc je vais faire deux tournées car il m'en reste encore. C'est parti, je vais les enfourner. Mes cookies sont terminés. Donc voilà le résultat. Je vais vous faire voir à l'intérieur. Donc c'est encore un peu tiède d'ailleurs. Ils sont, j'en ai goûté un, ils sont trop bons. Je vous conseille de faire cette recette. Elle est tellement simple. C'est simple, c'est bon. Faites-le, franchement. Donc je vous remercie de m'avoir suivi,
Je vous remercie d'avoir regardé également ma vidéo. J'espère que la recette vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve à très bientôt pour d'autres recettes.